Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FS22, donc pour un nouvel épisode sur la série Ferme Gaël Blin. Donc au programme de la vidéo, comme vous le voyez juste devant moi et que vous l'avez vu également dans la miniature, programme de la vidéo aujourd'hui, fumier. Donc du fumier pour commencer à fertiliser nos champs. Je vous rappelle qu'on est en bio, donc on n'a pas le droit d'utiliser d'engrais sur la série, donc c'est pour ça que... On fertilise nos champs avec du fumier, donc en plus c'est une activité qui est plutôt agréable à faire. J'ai déjà commencé, vous allez voir tout ça dans les accélérés, mais comme d'habitude, on se retrouve juste après l'intro. A tout de suite les amis. Et re les amis, donc on se retrouve ici, donc on va démarrer notre petite activité des pendages de fumier que j'ai commencé, que vous avez vu dans la trou, dans les accélérés. Donc j'ai déjà épandu un épandeur. Donc pour ce faire, j'ai bien évidemment acheté le fumier. Donc j'ai acheté deux bennes de fumier, ça représente à peu près 50 000 litres de fumier à peu près. Donc, vous voyez, on était à 24 000 euros, on est redescendu à 9 000 euros. Vous voyez, c'est pour ça également que dans la dernière vidéo, j'avais gardé une petite marge, parce que je savais très bien que le fumier, ça allait coûter quand même un petit billet, donc c'est un petit investissement quand même. Mais voilà, vu qu'on est en bio, on n'a pas le choix, puis on n'a pas de vache pour l'instant, donc on n'a pas de fumier. Donc pour l'instant, j'ai pas le choix d'acheter le fumier pour fertiliser nos champs. Donc voilà, donc j'ai mis ces deux bennes dans la fumière. Donc pour ce faire, on va faire un petit tour du matériel, comme à mon habitude. Donc pour charger le fumier, on avait bien évidemment le 313 S4 qui est sur le chargeur. Ensuite nous avons le 724 One qui est sur l'épandeur. Donc j'ai changé l'épandeur, j'ai pris le petit épandeur Sodimac. Je trouvais que il est un peu moins tirant par rapport à l'épandeur d'Angreville que j'avais avant. L'épandeur Sodimac il est beaucoup moins tirant que le d'Angreville, je sais pas pourquoi, mais en tout cas bon, c'est un peu plus facile pour épandre le fumier, ça demande un peu moins de puissance au tracteur, et du coup là il a un peu moins de mal, donc c'est pour ça que j'ai changé l'épandeur. Donc ça m'a rien coûté parce que j'ai vendu l'épandeur qu'on avait avant d'Angreville pour 34 000 euros, et j'ai acheté cet épandeur là sous Dimac pour 34 000 euros, donc on n'a rien perdu. Donc c'est comme si on avait fait un échange. Et en deuxième partie de vidéo les gars, on ira broyer un petit peu les bords des champs. Donc c'est une activité que j'ai pas l'habitude de faire, c'est pour ça que ça peut être plutôt sympathique de faire une petite activité comme ça de broyage. Broyage d'accotement, passer un petit coup de broyeur au niveau des contours des champs pour faire propre.
Voilà, on sera cette petite activité là en deuxième partie de vidéo. C'est vrai que c'est une activité que je fais jamais, le broyeur, donc c'était plutôt sympathique à faire. Donc voilà, sans plus attendre, bon, on est parti pour charger notre répondeur. Hop. On va essayer de charger ça réaliste en fermant le godet. Donc comme vous l'avez vu dans l'accéléré, j'ai déjà épandu le petit champ qui est juste en face de la ferme. Donc il me reste le champ derrière que j'ai déjà commencé également à faire les contours. Et le champ 4 qui est juste derrière la ferme aussi. Donc normalement on devrait avoir assez de fumier. Logiquement avec 50 000 litres on devrait avoir assez. Après bon bah, si j'ai pas assez j'irai en racheter. Hein. Normalement tout devrait passer. On fait à peu près un épandeur et demi par champ, sachant qu'on a 3 champs donc. Bon voilà, après bon c'est pas trop un problème hein. S'il faut en racheter j'irai en racheter, c'est pas bien grave. On va se mettre un peu en vue intérieure pour charger un peu l'épandeur en vue intérieure. Je sais que ça vous plaît un peu. C'est vrai qu'en vue intérieure c'est bah, c'est plutôt pas mal à faire aussi en vue intérieure ça. Je me débrouille plutôt bien en plus au chargement donc. Normalement voilà, on met une dizaine de godets à peu près dans l'épandeur. L'épandeur qui doit faire 20 000 litres si mes souvenirs sont bons. Hop. Voilà encore bah, je tenais à vous remercier. Bah pour tous vos retours comme d'habitude sur le dernier épisode qui était sorti mercredi. Voilà, merci à tous, comme d'habitude, tous ceux qui ont mis un petit pouce bleu qui fait plaisir, tous ceux qui ont mis des commentaires également. Voilà, merci à tous comme d'habitude pour vos retours sur la série. Voilà, on est plein. On va pouvoir changer le godet avant de partir. Celui-là, on va le laisser là. Vous voyez, j'ai mis la grosse masse du 724 dessus parce que le godet plein de fumier, ça fait quand même du poids et le tracteur, bah, il avait tendance à lever un peu du nez, donc c'est pour ça que j'ai été lui rajouter la petite masse. On va fermer la porte et je pense qu'on va aller épandre dans le champ 4 qui est juste là-bas derrière en le champ 4 qui est en pomme de terre. Vous voyez, j'ai fait celui-là dans l'accéléré donc celui-là est fini. Donc celui-là, les contours sont presque finis également. Mais c'est vrai que celui-là, vu qu'il est pas mal pentu, le tracteur a un peu de mal, donc c'est assez long à faire. Donc je préfère le faire en off et faire ce. On va faire ce champ-là, le champ 4, en vidéo. Le tracteur, voilà, c'est un peu plus plat, le tracteur a un peu moins de mal, donc c'est un peu plus. Ça va un peu mieux à faire. Donc voilà, donc bah, premier apport de fumier dans nos champs. Donc nos champs seront fertilisés à 50%. Donc après je préfère faire ça comme ça, fertiliser ça une première fois avant que les cultures commencent à pousser. Donc comme ça nos champs sont déjà fertilisés à 50%. Et repasser un coup d'engrais, bah, un coup de fumier après, une fois que les champs commenceront à pousser pour finir de les fertiliser pour qu'ils soient à 100%. Voilà, c'est plutôt pas mal à faire comme ça, je pense. Un premier apport avant que les cultures poussent et un deuxième apport une fois que les cultures commencent à pousser. Ça va pas mal comme ça.
Donc vous voyez, juste après on ira faire un peu de broyage, vous voyez, au niveau des accotements des champs. Histoire de faire une activité que je fais, j'ai jamais fait, de broyage, j'en fais jamais. Donc c'était l'occasion aussi de faire une petite activité un plus réaliste, hein, parce qu'on c'est souvent que les agriculteurs ils broient leur tour de champ pour qu'il soit propre. Donc vous voyez là on a pas mal de les tours de champ, il y a pas mal de mauvaises herbes de buissons, donc c'est plutôt sympathique de passer à coup de broyeur, je pense. C'est vrai qu'il demande cet épandeur là, j'ai changé parce qu'il demande quand même pas mal, beaucoup moins de puissance que l'épandeur d'Angreville qu'on avait avant. Et puis voilà, je le trouve plutôt sympathique moi cet épandeur Sodimac là. On va pouvoir faire un tour comme ça. Donc ça se fait une activité qui se fait quand même pas assez vite quand même, hein, l'épandage de fumier. Donc je pense que dans cette parcelle-là, je vais mettre deux épandeurs parce que je crois que c'est un des plus grands champs, celui-là, le champ 4. Donc voilà, un épandeur est bientôt vide déjà, donc on aura fait la moitié du champ. Donc faudra qu'on se fasse un deuxième épandeur. Ah là, il est vide. Donc on va aller se recharger l'épandeur. Mais c'est vrai que le fumier c'est quand même un investissement. Hein, bon après c'est rentabilisé quand même avec la vente avec la récolte des cultures, mais c'est quand même un investissement d'acheter du fumier. Mais bon vu qu'on est en bio, on n'a pas trop le choix. Hein. Faut bien qu'on fertilise nos champs donc. Voilà, on va se recharger le deuxième épandeur. Ah, j'en ai mis à côté, bon, c'est pas grave. Le fumier, c'est une activité qui est plaisante à faire quand même. Moi, j'aime bien faire cette activité-là. On va ramasser ce que j'ai fait tomber. Ça se fait pas mal avec le 313 S4 au chargeur, ça va pas mal. Avec le petit godet MX. Donc après également quand nos cultures commenceront à pousser, il faudra qu'on fasse une activité de sarcleuse, de désherbage pour enlever les mauvaises herbes parce qu'à mon avis les mauvaises herbes commenceront à pousser. Donc après voilà, après à voir, faudra qu'on voit également lors de la récolte, comme je vous l'avais dit, et si les cultures, la betterave et les pommes de terre, nous rapportent pas mal d'argent ou pas. On verra bien si ces cultures-là sont rentables. Après, je pense que le matériel pour récolter les pommes de terre et les betteraves, je pense que je le prendrai en location.
Ouais, je pense qu'on louera la récolteuse à pommes de terre et la récolteuse à betteraves. Parce que c'est des matériels qui coûtent très cher et voilà, pour l'instant, on n'a pas les finances, hein, donc on prendra tout ça en location pour récolter nos cultures. Et puis voilà, je pense que ça sera pas mal comme ça. Hop, voilà, on est plein. Celui-là, on va l'arrêter là. On va également arrêter le 724. Par la même occasion, donc je pense que pour l'activité de fumier, on a fait un épandeur, je pense que c'est pas mal. Mais voilà, comme d'habitude, j'aimerais bien faire deux activités dans la même vidéo, donc je pense qu'on va attaquer le broyage pour finir la vidéo, tout simplement, pour pouvoir faire les deux activités dans la même vidéo. Et après, bah, le broyeur, je finirai ça en off. Au pire, je vous ferai un accéléré du broyage. Voilà, c'est parti. Est-ce que ça va broyer? Oui. Voilà, on va nettoyer un petit peu les bords de l'échange. Je trouve que ça fera un peu plus propre. Après, voilà, c'est dommage que ça broie pas les buissons, mais bon. J'aurais bien aimé que ça broie les buissons. Voilà, donc là, c'est un petit broyeur que j'ai pris en location qui fait 3 mètres. Donc voilà, 3 mètres, je pense que c'est suffisant. Hein. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus large. Je pense qu'en 3 mètres, ça fait déjà des contours de champ qui sont assez propres. On va se mettre un peu en vue intérieure. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est une activité que j'ai jamais fait, je crois, le broyeur. C'est plutôt sympathique à faire, ça change. J'essaie également de vous faire de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, histoire de voilà de varier un petit peu les activités. Et puis ça fait toujours plaisir de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, le broyeur, je pense pas qu'on voit. C'est des activités qu'on voit pas souvent sur les vidéos, donc voilà, c'est plutôt intéressant de faire une petite activité de broyage comme ça. En plus, ça se fait plutôt bien, c'est sympathique. Et au moins, bah, le bord de champ sont propres. En plus, voilà, le 313 WAN, il se débrouille bien. Le broyeur demande 150 chevaux, mais le 313 WAN en fait 130. Mais vous voyez, il a pas trop de mal, hein, ça. Ça demande pas énormément de puissance. Au début, j'en avais pris un en 6 mètres, mais dès que je le mettais en route, le 313 est resté sur place et il n'arrivait pas à le tirer. Donc, du coup, bah, j'ai échangé pour prendre un peu plus petit. C'est vrai que voilà, il n'y a pas besoin de faire en 6 mètres, en 3 mètres, que ça, c'est largement suffisant. Par contre, on va essayer de passer entre les arbres là. Comme ça, on aura des bords de champ qui sont nickel. Donc voilà, une série qui vous plaît toujours, qui me plaît à moi également. Je me lasse pas du tout de la série, je prends beaucoup de plaisir, je me lasse pas du tout de la map également. Je prends toujours autant de plaisir, voilà, à faire cette série, à vous partager les vidéos avec vous. Donc voilà, ça fait plaisir, j'ai toujours de très bons retours sur les vidéos. Donc voilà, déjà, parcelle de propre. On va faire un petit peu le devant de la ferme. On
On va faire un petit peu la parcelle, la petite parcelle qui est juste en face de la ferme là. Histoire qu'on ait une ferme propre, bien entretenue. Après, je sais que c'est une activité que les agriculteurs font régulièrement, ça, le broyage. Pour entretenir un peu leur champ, leur bord de ferme. Voilà, donc on va faire le tour de cette parcelle-là. Ouais, c'est juste dommage que voilà, le broyeur il broie pas les buissons. Ça aurait pu être réaliste. Donc le broyeur bon, en fait le broyeur c'est une faucheuse, hein, il coupe que l'herbe. Mais bon. J'ai envie de dire ce sera quand même toujours un peu plus propre que c'est là. Ce sera un peu moins la brousse. Puis voilà, bah, comme je vous l'ai dit aussi, pour histoire de faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, donc comme d'habitude, je passe. On a les biches qui viennent nous dire bonjour comme d'habitude. Je passe le bonjour à tous mes abonnés, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et je passe le bonjour à tous mes compères de la Farming Family, comme d'habitude. Mon petit Jérémy, mon petit Ced, mon petit papa Valaisan. Vous voyez, nos moutons qu'on a acheté dans la dernière vidéo se portent bien, vous voyez. Ils sont là dans leur prairie. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont commencé à nous produire de la laine, donc ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont tout ce qu'il faut. Donc. Les biches. Oh bah. Celle-là, elle est morte, la biche. Donc. Voilà pour le broyeur, je pense que je finirai ça de mon côté. Je vous ferai un accéléré de la fin du broyage et bah, de la fin de l'épandage de fumier. Donc pour finir la vidéo, bah, on va aller épandre cet épandeur là histoire de finir le champ 4, comme ça le champ 4 sera épandu en fumier également. Et puis on s'arrêtera là pour la vidéo, ce sera pas mal, on est déjà presque à 20 minutes de vidéo. Ça passe très vite, c'est vrai que si on veut faire plusieurs activités dans la vidéo, bah c'est pas évident, hein, faut. C'est des activités bah, courtes. Voilà, si on veut varier un petit peu et puis ne pas faire la même chose dans la même vidéo, bah faut faire plusieurs activités, mais dans un temps qui est assez restreint, donc voilà. Bon, après voilà, c'est plutôt sympathique de faire plusieurs activités dans la même vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, on va continuer d'épandre un peu le fumier dans cette parcelle là et puis je pense cette parcelle là je pense qu'elle sera finie. Normalement, avec un épandeur, on devrait arriver à tout faire. Ouais, c'est vrai que le fumier, ça descend vite, donc espérons que j'ai assez de fumier pour finir de fertiliser le champ 3 qui est juste en face. Là. On verra bien. Bah, après, voilà, il nous reste 9000 euros, donc s'il faut en racheter, on en rachètera, y a pas de problème. Hein. Logiquement, on devrait avoir assez. On verra bien. Mais voilà, au moins nos champs seront. Bah, ils sont déjà roulés. Ils seront déjà fertilisés à 50%. Donc là, après, je pense que j'avancerai le temps pour que les champs commencent à pousser.
Et ensuite, bah, on aura plus qu'à faire un deuxième apport de fumier pour finir de les fertiliser à 100%. On aura également du cerclage à faire de la sarcleuse pour enlever les mauvaises herbes. Il faudra qu'on passe la sarcleuse dans tous les champs. Et puis voilà, après je pense qu'on sera pas mal, les champs seront prêts pour être récoltés dans de meilleures conditions. Il n'y aura pas de mauvaises herbes, il n'y aura rien. Donc, pour essayer que les cultures nous rapportent un maximum d'argent. C'est le but aussi. Voilà, malgré que le fumier c'est un investissement. C'est un investissement qui va être vite rentabilisé vu que. Je pense que c'est des cultures, pommes de terre et betteraves qui devraient nous rapporter, j'espère qu'ils devraient nous rapporter pas mal d'argent pour pouvoir rentabiliser tout ça. Donc, voilà, ce champ-là est fini également. On va aller mettre la fin de l'épandeur dans le champ 3 qui est en betterave. Et puis on s'arrêtera déjà là, les amis, pour cette vidéo. Je pense que. On aura fait une bonne petite vidéo avec deux activités. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de faire comme à mon habitude, de voir plusieurs activités dans la même vidéo. C'est toujours sympathique et puis voilà, ça fait des vidéos qui sont un peu moins lassantes. Donc on va mettre la fin de l'épandeur dans ce champ-là qui est en betterave. Pour finir la vidéo, et puis on se quittera déjà là, les amis. Il nous en reste un petit peu. On va mettre le reste là dans la montée. Vous voyez, le tracteur il a beaucoup moins de mal dans la montée qu'avec l'ancien épandeur. L'ancien épandeur, on est à 5 km/h dans la montée. Tandis que là, voilà, cet épandeur-là demande beaucoup moins de puissance. Donc on va se ramener ce tracteur-là à la ferme pour que je commence à le. Que je recharge l'épandeur de fumier. Et je vais finir l'épandage de fumier de mon côté. Le broyage. Également juste derrière. Je vous ferai un accéléré de tout ça comme d'habitude et vous verrez la fin de l'épandage de fumier et du broyage dans la prochaine vidéo. Hop. Bien, on va le reculer là. Et voilà les amis, donc on va se quitter là pour cette vidéo. Donc j'espère que ce petit épisode épandage de fumier et broyeur vous aura plu. J'espère que ces deux activités qu'on n'a pas l'habitude de faire vous auront plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et je compte également sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao les amis.